Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce début de troisième épisode de Quad Island Survival. J'ai encore du mal avec ce nom, toujours et toujours. Je suis en compagnie de Free, qui s'est faire pour la deuxième fois. Hein. Ouais, non, en fait, c'est le même que j'ai récupéré. Pourquoi y a sauf les petites bottines que je t'ai laissé faites en diamant. En or. D'accord. Et Zézé, qui, comme fidèle à lui-même, aime aménager la maison. Et regardez, j'ai réparé mon texture pack, je trouve ça rend beau. Oui, mais je tiens à préciser que si je n'ai rien sur moi, c'est parce que je suis malencontreusement allé dans la poubelle. Et regardez, je vais vous montrer ce qu'il a fait. C'est assez il aime tellement la poubelle qu'il s'est jeté dedans. Il a fait ça. Je savais pas que c'était la poubelle, bien évidemment. Et après, on peut plus sortir et tout ça. Vous savez, c'est rigolo. Bah, ouais. Enfin, c'est rigolo, vite fait, quoi. C'est bon, tu meurs, là? Voilà. J'ai été pricked to death. Ça fait un de ces boucans, cette poubelle. Tu trouves? Ah bon, oui. Pas forcément. Bon, en tout cas, pourquoi t'as fait des golden pickaxes? Ah, faut les jeter dans la poubelle. Ça mine quoi, au final, les golden pickaxes? Tout? Que dalle. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Ouais, effectivement, là, on a cassé tout notre or. Faut les tester, on va dire. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Hop, qu'est-ce qu'il reste de nourriture que je pourrais... Aïe. On va se faire une expédition, là? Ouais, on va se faire une expédition, ouais. Pensez à prendre de quoi, bah, expéditer, justement. De quoi éclairer, surtout. Aussi. Moi, je vais venir avec vous, comme on a bien avancé, on aura l'occasion de continuer. Donc, voilà, de toute façon, il faut faire 4 alors, des tiens, bases, hein. Alors, prendre des torches. Vous attachez pas trop à cette base, il va falloir en faire d'autres, hein. C'est triste. Ouais, mais on en reviendra dedans. Oh, elle est déjà bien, ça. Enfin, je veux dire... Il y a des belles grottes, il ouais. y a pas mal de choses. Sachez ici. Que j'ai enlevé un objectif qui consistait à relier les 4 îles avec des réseaux de minecart. Hein. Celui-là, j'ai dit bon. Bon, pour on pas ira que ça dure 20 ans. En bateau sur les petites îles. Faut qu'on fasse le logo de la COP aussi. Faut oui, bon, de toute façon, on la quitte pas tout de suite cette base encore. Pour le moment, on va j'ai juste pas de nourriture. Expéditer. Ah, j'en ah ai bon, pris. Bah vas-y, dans les coffres, il y en avait. Allez, va en chercher parce qu'on en a besoin. Et d'ailleurs, ça me fait penser, s'il y a du blé en capoussé, voilà, celui-là par exemple, il faut le récolter. Choup. Et voilà. Attention à ne pas marcher dessus. C'est ce que je fais. Je marche dessus. Et je mange dès le départ. Le casser. Alors, je bah vous suis, je vous suis. Je vous follow. Oui. Bon, on peut plonger, hein. Plouf. Vous voulez qu'on plonge? Attention, parce qu'en bas, c'est vraiment... La guerre. T'as pris des torches? Oh là là. T'as pris des torches bien. Ou quoi? Ouais, j'ai pris des torches. Ça commence bien, là. Ouais, faut voir. Bon, allez, on plonge. Il y a du on creeper là-haut, mais je pense qu'il nous a pas vu. On a pas mal éclairé, donc... Ouais, c'est vrai. Bon, allez, on continue. On plonge. Évitons simplement de tomber dans la lave. De brûler. Ah, c'est vraiment mieux, là. Hein. C'est plus autant la guerre qu'avant. Ouais. Des cubes. Là, faudrait mettre une petite torche, je pense. Parce que... Voilà. Et là, vous voyez, Frigène, il m'a tout volé, les gens. Je vous le dis pas, mais il m'a volé ma pioche en fer qui me permettait d'avoir la classe et de miner tous les bons minerais. Je te la redonne. Je la veux c'est bien, que c'est ouais. moi qui suis bien stuff pour ouais, l'instant. Mais je la veux bien, ma pioche en fer. Vous avez pris le coffre? J'aime bien miner les gros trucs en fait. Je te cache le coffre d'or, vous l'avez pris? Il est où? Non. Viens, on va voir. Je vais le prendre moi. Je vais le prendre alors. Ok, merde. Tu dis voilà, c'est dangereux hein. Bah, si bah vous non, mais attends, hein. Je vais y aller parce que. C'est moi le. Quel... Ah attends, laisse-moi voir. Laisse-moi voir, ne prends pas. Ah t'as tout pris? Non. Ah, t'as rien pris. Tout. Ok, alors attendez, parce que là en fait le problème c'est que pendant qu'on essaye de prendre les trucs, il y a des monstres qui nous sautent dessus. Frigel, viens! Attends, j'ai clair. Je me suis débarrassé de une dizaine de monstres ici. S'il te plaît, viens, parce que là honnêtement, je veux bien ramasser ce qu'il y a dedans. Dans l'ordre, qu'on avance petit à petit, là si j'éclairais là où t'étais, il y avait plein de monstres avant. Non, c'est pas ça en fait, c'est que je voudrais juste ramasser ce qu'il y a dans ce coffre sans qu'il y ait un risque qu'un monstre me saute à la tête. Ouais, c'est pour ça que j'ai éclairé avant, et okay. Maintenant on éclaire au bout. Ok, je te fais confiance, tu sais, tu gères. Allez. Ouais, t'inquiète pas, j'ai je me fais du charbon. Ah, ça sent l'Underman. Toi aussi tu as entendu l'Underman. Bon, c'est pas contre moi qu'il en a normalement parce que je l'ai pas vu. Je crois qu'il en a contre moi. On a le bleu déjà, on a le vert. C'est contre toi Léo. Je vais faire le vert. C'est contre moi qu'il en a? Ouais. T'as illuminé? Non, il en a contre personne, il a juste pop. Il est bizarre hein, il tremble hein, chez moi. Ouais, bah écoute, tu veux... Attention. Bon, ah là là. Tu l'as eu. Frifrine, tu voudrais bien juste me couvrir le temps que je l'ouvre ce coffre. Bah vas-y. Alors, on a des panneaux, un stuff full fer, 2 lingots d'or, un lit, des bateaux, un seau, des golden apples. Ouais, enfin vraiment plein de trucs cool. Plein de trucs cool. Bah, et de l'or, des blocs d'or à côté qu'on va essayer de prendre. Ouais. C'est parti. Attention, pendant ce temps, moi je vais voir si on peut miner ça. Ouais, c'est bon, c'est sans risque.
Hop. Bon, bah c'est bien ça. C'est très bien ce petit coffre. Alors. Zézé, t'avais rien pris toi hein? Non, non, j'ai rien pris. Je demande. Du coup, hein. Bah, je me retrouve en train de faire l'objectif, effectivement, du. Comment ça s'appelle? D'Hélène. Ah. Ouais, bah écoute. J'ai tous les colorants, donc bah, je vais les poser. Ah, oh, ça va être beau, je pense, quand tu vas l'avoir fini. Faudra le faire dans chacune de nos bases, ça, donc pense à faire des doublons, ouais. Si jamais. Le logo de la COP team, enfin, le COP chaîne plutôt. Super. Enfin, les couleurs de la COP team. On se fait attaque. En carré. T'es prêt? Vas-y, va du côté gauche. Pardon? Ou droit. Attention. Hop, voilà. Super. Et on peut prendre les blocs. Blocs, GG. Oh, on va pouvoir faire une pomme, on va pouvoir faire une pomme un peu cheatée, je pense. Bleu, rouge, jaune, vert. Avec de l'or, ouais, on peut, si on trouve des pommes, on peut faire bah des là, pommes. Là, regarde, t'as vu ce qu'on a. Tu veux pas me passer une pioche en. Ouh, j'ai vu une flèche. Tu veux pas me passer une pioche en fer, s'il te plaît? Attends, on tire dessus. J'en ai qu'une. Ils sont là, putain. Oh là, les monstres sont revenus là-bas. T'en as qu'une. Bah là, y'a pas de lumière, hein. C'est normal qu'ils y repop. Hop. Je sais pas. Attends. Oula. Ok, tiens, je la passe. Mais attention, c'est dangereux. Bon, je l'ai eu. Tiens. Vas-y, donne. Parce que comme ça, toi, tu peux PVP pendant que je mine. Allez, en bas. Et pose des torches. En bas. Je l'ai jeté en bas, la torche. J'ai dû la récup. Parce que la pioche, je veux dire. J'ai dû la récup parce que je ne vois rien. Alors, attends. C'est tellement dangereux d'ouvrir son inventaire ici. J'ai plus de bouffe. Viens m'aider, je vais mourir. GG. Ouvre-moi là, je suis pas loin de mourir là. Mais je te jante de la bouffe ici. J'ai à manger, c'est juste que j'ai plus de PV. Hop, ça je prends. Je comprenais pas. Tout ça, c'est très très bien. On va le prendre. Oh, il y en a beaucoup. Fou. De quoi? De l'or. Mais de l'or, on s'en fout, on a tous les blocs là. Ah, si on en a beaucoup, ça peut permettre de faire des trucs. Parce que tu sais, la pomme en or, enfin la vraie pomme en or, la grosse pomme en or qui claque bien, t'es pas mécontent de l'avoir dans certains cas. C'est vrai, mais il faut pas mal d'or, c'est vrai, dans ce cas. Bah, 9 faut blocs. Des cubes d'or. On en a déjà récupéré des cubes, donc c'est plutôt bien. Je veux dire, là, avec tout ce que je suis en train de miner, je pense qu'on les a nos 9 cubes d'or. Tu sais, c'est un autre truc, c'est que c'est le genre d'objet, enfin, on le sous-estime, hein, mais quand c'est bien utilisé, ça fait très très mal. Je ne sous-estime rien, mon cher. C'est vrai. Hop, du charbon. Surtout pas toi. Du charbon. Je sais de quoi tu es capable. Ah oui. Lorsque tu te mets à réfléchir. Attention. Bon, il faut que tu réfléchisses. Mais... réfléchir. Hein. Traduction. Ne réfléchis pas toujours. Frifri, t'es où? Oula. Comme tout le monde. Oh mais non, qu'est-ce qui vient de me sauter dessus là? Ça commence à être gavant, en plus j'avais tout un stuff. Ok, alors j'ai fait tomber tout mon stuff en bas. Ah bah moi non. Toi aussi? Non, moi il est pas tombé, je me suis juste fait exploser la tête. Je comprends pas comment les monstres ils repop. Bon, je vais chercher mon stuff et je reviens parce que j'ai pas bien compris pourquoi il est. D'ailleurs j'aurais dû l'équiper ce full fer, j'aurais pas dû le laisser sur moi, c'est complètement débile. Ah merde, désolé. Mais... merci. On va chercher nos stuff. Alors, je sais où il est, moi il est pas perdu. Oula, mais comment il y a autant de monstres? C'est insupportable, bah c'est des grottes. La vache, on avait fait le ménage et tout, et puis non. Ah ouais, c'est incroyable. Bon bah je suis mort, hein, parce que là, si tu veux, vu ce qu'il me saute dessus. Bah, allez hop, cadeau. Gunpowder? J'ai pas besoin de ça, moi. Oh là là. À oh quoi là ça là. Ça sert oh là là. D'être venu, d'avoir fait le ménage, tout ça pour rien. Ça donne vraiment l'impression qu'on a tout fait pour rien. Surtout qu'on est en train de tout reperdre ce qu'on était en train de récupérer. Bah oui, mais ça m'énerve, parce que... putain. Comment que ça se fait ça? Peut-être cette grotte elle est pas bien dans le sens où on n'arrive pas à en sortir la moindre ressource. Il y a des creepers ici, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Oh mon dieu. Bah j'ai déjà la moitié de ma vie en moi, tiens, c'est malin. Sinon, moi je suis zen. Oui, bah. J'ai fait ma tapisserie, je suis content. Je comprends pas en plus, je ramasse des objets. Non, mais je vais te dire, je pense qu'on a pas mis assez de torches, vraiment. Là il y avait le roi zombie. Non, ok, c'est une question de torches. Je vais vraiment. Faut qu'on pose des torches partout. C'est moi où il n'y a plus de charbon. C'est une blague. Non, il n'y a plus rien. Ce qui m'énerve, c'est que... on n'a plus rien. Bon. Ah, le stuff est là, je le vois. Sinon, ben, vu la situation actuelle, essaye d'en récupérer un maximum. Voilà, le serveur est buggé, là. Quoi? Ah, c'est un peu lagué. Voilà, oui. Mais il y a un petit lag, effectivement. C'est bon. Bah... mais c'est joli. Ah bah, ça nous arrange bien, on peut récupérer tout. Enfin, si ouais, enfin, c'est bizarre, hein. Comme lag. Ouais, là, c'est... bon, j'en profite, hein. Bon, c'est un peu du cheat, les gens. Parce que les monstres sont un peu à l'arrêt. Vite chercher les. Juste passe dessus, ils remontent. Mais tu vas mourir sans le savoir. Sans doute.
J'ai récupéré les blocs d'or, hein, du coup, grâce à ça. Ah, il y a les blocs qui se reposent. Ça s'est réveillé, hein, tout d'un coup. Je sais pas pourquoi. Ça s'est réveillé. J'ai ramené les 8 blocs d'or, mais j'ai perdu mon épée en diamant. Bah, moi, j'avais tout. Et en fait, j'ai trop traîné pour essayer de récupérer encore 2-3 trucs. Et du coup, bah, ça s'est réveillé et boum. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut ramener d'autre. Je vais y arriver, mais. Non, mais c'est fou! Tous ces monstres qui pop là, comme ça! Tire-les, vas-y, fais diversion. Non, parfait. Il faut. Je sais. Oh là, oh là. C'est le zombie qui a mon épée en diams, tiens. T'as une épée en diams, toi? Bah, c'est le zombie qui l'a maintenant. Putain, mais là, y'a tout le stuff! Je le veux! Lâche-moi! Bah, je suis mort. C'est les monstres qui ont le. Lâchez-moi! Putain, ces squelettes sont incroyablement chiants. On dirait qu'ils ont tous knockback sur leur. Non, c'est... moi, ce que je te propose, Frégel, c'est qu'on. Il faudrait qu'on y aille, mais en mode. Comme t'as fait, c'est-à-dire que limite, on fait un seul tapissé de torches, quoi. Mm-hmm. Parce que. Je pense que c'est la technique, hein, ouais. C'est des trous d'ombre, en fait, qui font que les monstres reposent. Là, je le vois, là. Vous voyez, les gens, là, il y a un trou d'ombre, et là, les monstres, ils ont tout loisir qu'ils veulent pour repop. Ici, il y a un peu de charbon. Je vais venir. Est-ce avec... qu'on se fait un stuff en or, tous les deux? Non, ça sert à rien. Si, c'est balèze, un stuff en or. C'est balèze, sauf que ça dure pas longtemps. Ouais, bah, à la limite. C'est... Bah, non, mais l'or, je voulais le garder, en fait, vraiment. Bah, je veux dire, là, dans la vie, hein. Bon, ah non, je sais ce que je vais faire, moi. Tiens, parce que là, j'en ai marre de mourir bêtement. Ma biatch. Moi, je vais prendre... Oh, c'est stylé, le symbole de la cop team, putain. J'ai pas fini encore l'intérieur. Ah, attendez, par contre, 2 secondes. Je re... 1 minute. Il n'y a pas de coupure, vous les occupez. Il n'y a pas de coupure, d'accord. Non, vas-y, on peut dire des saloperies sur ce mec. Je suis incroyable, non. Hein. Je fais pas de il est revenu. Ah bah non, c'est pour ça, je savais très bien qu'il n'y avait pas besoin de... Alors... On va prendre de la cobble. Il est où le bois? Pourquoi y'a plus de bois? Je suis en train de ramasser, y'en a plus. Ouais. Oh la vache, bon. File-moi un peu de avant bois. Avant que le stuff ne disparaisse complètement. Faut le logo est vraiment. Tiens, trop tu t'en stylé. Passes la moitié. Vas-y. Tu vas redonner en même temps à Léo. Moi je veux juste de quoi me crafter une pioche pour aller chercher du charbon, pour crafter des torches, pour ensuite sécuriser la zone. Rien que ça. Sécuriser la zone. Rien que ça. Et mon épée en diams pour l'instant est sur un zombie en bas. Ton épée en diams, on l'aura pas tout de suite. D'autant plus que si elle est sur un zombie, il va falloir le tuer. Tiens, Free, donne-moi du bois. Tiens. Merci bien. Ouh, putain, la vache. Quand tu ramasses le bois, c'est pas en demi-mesure. Demi-mesure. Chouk. Demi-mesure. Ça sert strictement à rien de le ranger dans ce coffre, excusez-moi. Demi-mesure. Sûr. Bon, je vais faire un stuff en or. Une épée, en pierre. J'ai pas besoin d'un stuff, moi. J'ai juste besoin de charbon et de poser des torches pour empêcher le spawn de ces monstres insupportables. Donc là, il y a du charbon. C'est le charbon de la victoire. Oh, mais ils sont trop, là. Non, ça suffit. Ah oui, il y a du monde, hein. Pff, là, il y en a du charbon aussi. Je vais prendre celui-là, je pense. Il est plus simple à obtenir. Je sens que ça va me péter dans la tête. Bon allez, je prends juste ce charbon là et après j'y vais. Aïe. IBCD, IFD. T'as réussi? Ouais. H. Si les monstres ne me défoncent pas la tête, c'est bon. Bon, j'ai que 2 charbons. Tu te rends compte à quel point c'était dur? Je pense que là, si j'arrive à faire mes 8 torches et que j'en pose un maximum aux bons endroits, normalement ça va bien se passer. Il est où le bois? Attends, j'avais mis des. J'ai rien pris dans le coffre. Il y avait des sticks dans le. Ah, ils sont là. Je suis vraiment avec. Super. Alors, hop. Tu fais quoi, Zézé? Je fais quoi? Tu tournes dans tous les sens. Ah non? On dirait. C'était un bug, là? C'était un petit bug. Bon, allez, on va chercher. On va poser de la torche partout. Et une fois qu'ils seront morts, normalement, ça va mieux se passer. Donc là, par exemple, torche. C'est ce que je fais d'ailleurs, je suis en train de les tuer là. Là, faut bien savoir que je crois que la lumière de la lave, elle les empêche pas de pop en fait. Donc torche ici. Non, là, les araignées, c'est vraiment le truc de trop dans cette histoire. Au revoir. C'est là qu'il faut mettre des torches et qu'il n'y en a pas eu. Et que c'est là qu'il faut qu'elles soient, les torches. Alors, je me suis débarrassé du monde là en bas. Ouais. Oh, j'ai eu un CD. Ouais, génial.
Music Disc, tiens, c'est là, super dur à obtenir. On a eu du monde. Ouais, alors voilà, donc là, tu vois. T'as attention, un peu de nourriture par j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, Foufri. T'as rien J'ai juste pas envie de mourir, si tu veux trop savoir. Ça, c'est bon. Parce que là, on a réussi à re-éclairer cette zone. Ouais. Il faut vraiment. Il fait nuit dehors, hein. Faites attention. Ouais, mais ça, à la limite, les monstres de dehors, ils sont pas aussi violents. Prudent. Deux. Ouais, c'est juste ici où il y a du monde. Mmh. Eh ben, alors, c'est la guerre, c'est le début de série. Sans nourriture, ma vie ne remonte pas, en fait. C'est ça le souci. Exact. C'est le principe de la nourriture, ça sert à faire remonter la vie. Alors, je remonte à la surface. Ça se finit jamais ce truc. Bon, les mecs, j'ai une très bonne nouvelle par contre. C'est que là, je vais partir, mais avant de rentrer, je vais avoir quelque chose de pas mal. Pour tout le monde. Bon, on a perdu tout le stuff, ça m'énerve par contre. Non, il y a ce zombie là qui a toujours mon épée. Oh putain. En diams. Attendez. Il le garde bien précieusement. Ouais, exactement. J'ai compris que ça valait cher. Eh bien, c'était un petit carnage. Là, c'est tout bon. Je suis impressionné d'être toujours en vie. Voilà. Après ceci. Voilà, là, normalement, si je fais pas de bêtises, je rentre et ensuite tout va bien. Alors, oh, putain, mais comment ça se fait que ça repop tout cela? Allez, coup de mine dans vos dents, ça vous fait du bien. Je me ramène avec un charbon et une pioche maintenant. Superbe. Comme ça, je pourrais prendre du charbon en bas aussi. J'espère que ça va pas me faire de jouer de mauvais tours de prendre ce fer. J'arrive. Ah putain, faut le gérer lui. J'arrive te couvrir. J'ai besoin d'aide là, je vais mourir je pense. T'es ouf. Si tu me couvres pas dans les 2 minutes, je suis mort. Je suis là. Je bute le lui. C'est bon, les autres, il y a personne d'autre à côté. T'inquiète. Dans le doute, je vais poser une petite torche ici. On va poser une petite torche ici. Attention derrière toi, zombie armé. T'inquiète, c'est lui qui a mon stuff. Je monte. Il a mon stuff, le coco, oui. Tu la récupes? Ok, moi je monte, ouais. J'ai quelque chose de très précieux sur moi, une cargaison précieuse, et je dois la garder. Super, normalement si tout se passe bien, elle va être amenée à bon port, normalement. Ouais, mon épée en diams, mon stuff en fer. Ok, c'est bon. Mais je pourrais te passer parce que je me suis fait un stuff en... En or. Ah. Fallait qu'on sécurise cette grotte de toute façon parce qu'il y a tellement de ressources dedans. Pourquoi vous avez fait plein de coffres différents? Bah, ce sera plus simple pour ranger, ça va être design. Ouais, ok. Des déco plus que. Hey, regardez, on va faire une jukebox. J'ai réussi à sauvegarder le CD quand même. Ça, c'est bien. Yeah. Alors, j'aime bien les grands coffres, moi. C'est là que je me rends bien compte que j'aime bien les grands coffres. On a de quoi te faire cuire, toi ou pas? Ouais, on a ouais. De quoi. C'est moche, attends, je vais changer un truc. On va faire double grand coup. Ah, vous avez craft du charcoal, c'est pas mal ça. Ouais. Super idée. Mais pas dans ce coffre, enfin. Je le casse. Attention, il est plein. J'adore quand ça pop de. On pose un en bas, ouais, et un au-dessus, enfin pour que. Okay. Voilà, moi, j'ai placé les trucs donc. Pas mal comme ça. Très très bien. Bon, on range pas encore, hein, on rangera après. Ouais. Moi, je récupère juste ça et une épée. Hop. Bah, y'a de quoi me faire une épée là. Oula. Ouais, du coup, les choses sont mélangées, c'est pas cool. Non, la poubelle, c'est pas bien. Bon, bah voilà, les gens, on va réussir, je pense, à un moment ou un autre à avoir du stuff et à le garder. Mais là, vous voyez, c'était un peu chaud. En tout cas, on a fait l'objectif. C'est bon. La grotte est contrôlée. C'est vrai? Ouais, là c'est contrôlé. Il faudrait de la nourriture. On en a ou pas? Il y a du fer partout. Non, c'est fait au fer. On a de la nourriture ou pas du tout? Pas vraiment. Par contre, le toilette. Ok. Avec la belle vue sur. Il est fou celui-là. Hop. Putain, il y a même pas de quoi se faire un bout de pain quoi. La ferme est trop petite. Je vais la faire en version industrielle. Bon bah voilà. Je vais faire l'étage numéro 2 de. Mais non, c'est un corps pop là-bas. Comment ça se fait ça? C'est parce que ça doit pas être assez illuminé. Parce que tu sais, la lave, je crois, je dis peut-être une grosse bêtise, hein, je suis pas du tout sûr, mais je pense que la lave elle a une lumière qui n'empêche pas les mobs de pop. Pour éviter qu'en grotte justement, y a des mobs qui pop pas parce qu'il y a de la lave partout, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, bah. Oh, c'est classe. De nuit, notre maison de l'extérieur là, de la montagne. Oh mon dieu, que c'est beau. Avec tout aménagé.
manquerait plus que vous soyez dans votre lit et que... Et qu'on dorme. Bah on peut faire ça pour bah, viens, hein, free. Non, c'est super beau, il faut que Léo vienne voir ça. J'arrive, je finis de miner du fer qui était là. Faut que tu montres ça à tes viewers. Ah, mes viewers, ils vont voir tout ça. Il y a du fer. En tout cas, c'est parfait. Parfait. La grotte est contrôlée, on a plus qu'à prendre les ressources. Excusez-moi si vous avez rien vu, les viewers. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Je viendrai. Tu sais combien j'ai réussi à récupérer de fer depuis le début, là, free? Depuis qu'on a tout fail? Non. Je crois que j'en suis à 12. Ouais, on en est à une trentaine là. Donc c'est bien. On s'est refait. Tu me laisseras le stuff en fer du coup, s'il te plaît. Ouais. S'il te plaît. Oh là là. Ok, je sors, mais juste pour zézer parce que là j'ai plus de vie, plus de bouffe. Et on va se laisser en regardant. Putain, il y a du monstre. J'aime pas le monstre. Tu le. Ouais, super. T'as tout sécu. Oh là là, un creeper. T'as bien tout sécurisé. Maintenant, faut aller sécuriser dehors. Ça va être la nouvelle opération. Je vais agrandir un petit peu la chambre. Zézé, tu es où? Je suis dans la chambre, mais je peux regarder Oh non C'est bon. Non, pourquoi ça a cassé? Coucou Zézé. C'est beau? Oui. Allez, on va aller récupérer mon stuff. Ah bah non, mais t'as tout récupéré du coup, frérot. Bon, c'est pas grave. Alors. Attends, je suis poursuivi. Rentre vite. J'ai besoin de mes pioches pour faire mon travail. Free? Attends, je me cache, faut pas que je fasse du bruit. Tu serais pas en hardcore hein, par hasard? Moi? Ouais. Bah, je crois pas. Sur cette carte? Je ne crois pas. J'avais mis en difficulté normale hein, si tu veux savoir sur le serveur. Le squelette a disparu. Allez, viens. Bon. Attends, t'es encore plus. Attends. Regarde-moi, 2 minutes. Oh, les jambes. Attends, tu peux pas te mettre sur un espace plat, genre qu'on te voit. Attends, viens rentrer dans la maison. Tu ressembles à un roi qui se serait pris beaucoup trop de flèches dans la tête. C'est trop beau. Zézé, regarde-le. J'avoue, ouais. C'est superbe. Non, bouge plus. Je vais trouver le bon angle. Bouge pas. Mais. Bouge pas. Mais je bouge pas là. Regarde-moi. Vous avez des butches? Des butches. C'est trop stylé. Vous avez des butches, mes butches? Vous avez des butches, mes butches. Non, vous avez pas de bûches, vous êtes sérieux? Aïe. Me tape pas. Non, j'ai pas de bûches, faut qu'on aille en rechercher. Absolument. Faut qu'on aille en rechercher. En même temps, j'ai pas de jump dans la poubelle avec moi. Dénonciation. Tant pis. On va aller en chercher. Bon. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Ouais, c'est... Ouh, trop stylé, ça. Tu nous fais un petit balcon. Juste ta tête, voilà. Ok, bah écoutez, les gens, moi je vous dis, merci d'avoir regardé. Free, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de mettre des tableaux chez nous. Ok. Putain, cette classe. Free. Oui. Tu ressembles à un roi. Je sais pas pourquoi ça t'a mis un skin de roi, là. Ça te fait une couronne, en fait. Non mais franchement, ça donne un style vraiment stylé. Ah bon, alors ça va. Un style grave stylé. Oui. Et moi je ressemble à rien parce que j'ai pas de stuff. Bon. Qui c'est qui veut une carotte? Non. Oh my god! Moi pas vouloir carotte. Eh ben vas-y carotte. Bon, range là. Ou plante là, comme tu veux. Oh, ça rend top. Bon, viens, on va rejoindre Zézé en haut et après on arrête. Alors toi tu dégages, tu descends. Bon, c'est pas grave, ça refait la montagne. L'important, c'est que ce soit beau quand on regarde vers notre base. T'es où, Zézé? À l'extérieur. Je vous attends en haut, moi, en fait. Putain, il a récupéré ton casque, il était moche. Oh, je vais mourir. Ah, c'est sympa, ça. Non, Zézé, viens. Quoi? Bah, viens en haut, dans les lits. Non, c'est mon lit, ça, frifri. Mais t'es d'extérieur. C'est ça, cette odeur de fauve. Ouais, c'est ça, cette odeur de fauve. Et tu viens où je suis, c'est super beau avec le lever de soleil. Bon, allez, on rejoint Zézé, parce qu'il va être... Dépêche-toi, dépêche-toi, au pire, je sais rien, fais quelque chose. Dépêche-toi, allez hop là, c'est la fête des TP. Slash. Il y a le soleil qui se lève. Ah, t'es long! Vite, regarde par là-bas. Oh, c'est trop beau! C'est trop beau. Waouh. Voilà, c'était beau, hein? Ouais, c'est beau. Bon, on va se laisser là, du coup. Merci à tous d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite de cette série. Un peu what the fuck, un peu. Bah. Frifri et moi quoi. On n'y peut rien. Bisous. Ciao tout le monde. Bisous. Bisous.